Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Nathalie raconte un ours sur ma chaise. Est-ce que vous êtes bien installés? Oui, parfait, je peux commencer. Il y a un ours sur ma chaise. Avec son gros ventre mou, impossible de m'asseoir sur ses genoux. Je n'ai pas de place du tout. Oh là là, nous sommes bien mal assortis. Un ours et une souris pour une chaise vraiment rikiki. Quand je lui lance un regard mauvais, il n'a pas l'air de le remarquer. Je ne sais pas ce qu'il fait là, cet ours assis sur ma chaise à moi. Il faut bien avouer qu'il a un style d'enfer. Ses vêtements sont vraiment du tonnerre et j'adore quand il se coiffe comme un rocker. Je préférerais juste qu'il le fasse ailleurs. J'ai beau essayer de l'appâter avec un fruit pour le faire partir de la chaise, il ne bouge pas d'un pouce. J'ai même l'impression qu'il dort. Pourquoi ne retourne-t-il pas dans sa tanière? Et si je lui faisais une peur bleue avec un seau monstrueux. Sapristi, il n'est pas surpris. Ce gros bêta d'ours reste tranquillement assis, même pas peur. Sur le gilet de l'ours, il est écrit « Espèce protégée ». Je sais bien que son espèce est menacée. Je sais qu'il faut la protéger. Je sais tout cela. Je le sais sur le bout des doigts. Mais rien à faire, lui, je ne le supporte pas. Souris est très, très triste. Quant à ours, j'ai vraiment, vraiment l'impression qu'ils s'en moquent, n'est-ce pas les enfants? Ils s'en moquent. Assez! C'en est trop! Il exagère! Je vais faire une crise de nerfs! Cet ours m'exaspère! Il y en a marre! C'est un vrai cauchemar! C'est décidé! Je m'en vais! Même si je ne sais pas trop où aller, je pars. Ours commence à chercher souris. Tiens, tiens, où est souris? Souris est partie. Est-elle? Pas de trace sur la neige. Peut-être dans mon igloo, dit l'ours. Allons-y, les enfants. Hé! Il y a une souris sur mon lit! Et voilà, chacun son tour maintenant. C'est ours qui est agacé. Car souris a pris sa place. Tant pis pour lui, n'est-ce pas les enfants? Tant pis pour lui. Et voilà, l'histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et je vous embrasse très très fort. Bisous. À très bientôt. Au revoir.